Madame, monsieur, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur la chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Je tourne encore avec une autre émission. Je salue tous les amis qui branchent la radio, fanatiques inconditionnels. Que bon Dieu bénisse nous. Matin, là, madame, monsieur, c'est gros causé. Et bien, côté bandit avec gros âme, on pas arrivé identifié. Et bien, yon saccagé machine Robertson Alphonse en Babal. Et bien, Franz Duval et Libay Information. Et bien, c'est grâce et bon Dieu qui mettait Robertson dehors, lycée journaliste Magique 9 avec journal Les Nouvellistes. Mes amis, en mouille pour pays d'Haïti, bagayo compliqué dans pays d'Haïti, bandit attaque journaliste Robertson Alphonse, jodi madi là, c'est bon Dieu qui chape poule pour journaliste là qui fait le pas mourir, madame, monsieur, en babal, gang, non, Port-au-Prince. Eh bien, m'bral faut attendre plus de détails, comment Robertson manque perdit la ville côté un groupe gang attaqué le matin là yo craser machine monsieur en bakatouche mais grâce bon Dieu monsieur pas mouri la prend soin dans l'hôpital en donne plus de détails comment assassinat fait après ça là Guillaume monsieur font déclaration là et bon garder monsieur tale Pierre Brinache fait connaître assistance internationale là a aidé la justice indépendant et marché prend bandi yo monsieur dit c'est un bon choix lié. Et monsieur, c'est ancien ministre justice là, lui dit, assistance internationale là, a vraiment aidé Haïti. Ça veut dire qui ça en gros? Monsieur dit, intervention militaire étrangère a aidé pays. Parce que pays a fait face avec une question insécurité là, à côté gang prend pays en otage, gang, yon gen contrôle tout territoire. Monsieur dit, c'est un bon bagay là pour pays. Parce que fok bandit ça a mouri. Eh bien, nous parlons d'entendre ancien ministre justice là, qui dit oui d'accord pour intervention militaire américaine entrée dans le pays. Et monsieur pas expliqué le bail raison qui fait, il dit oui d'accord. Ma tourne sous sa talent, entend des détails sous et journaliste là, bandit attaqué matin là, côté gang, manqué, touillé journaliste là. Entend des plus de détails, ma tourne. Et nous, au niveau de Magique 9, et effectivement, c'est confirmé, les victimes d'une tentative d'assassinat au niveau de Delma 40B. Et nous avons ici rentré en contact avec Franz Duval, qui est rédacteur en chef, et qui est un responsable très influent au niveau du groupe Le Nouvelliste, et lui-même qui confirme l'information en tout avec un tweet. Mais malheureusement, nous parlons avec de l'autre monde qui proche, je dis que FD, comme il a toujours été comme ça, en mouvement, donc ça vient de faire qu'il n'est pas vraiment disponible pour parler avec nous. Mais ce qui est certain, c'est que nous vivons parler avec un proche collaborateur, Robertson Alphonse, qui c'est un journaliste Magique 9 tout et Le Nouvelliste, qui est habitué à présenter bon côté Robertson Alphonse, émission Panel Magique tous les matins à partir de 7h, qui confirme, qui dit effectivement, Robertson Alphonse prend deux balles et dans Brali pour l'instant, la recevoir soin dans l'hôpital, dans la capitale, là, Jean-François Duval confirmé le tout dans le tweet là. Et mais nous avons une photo et machine Robertson Alphonse, et nous avons demandé à Misuel Timothée. Et pour permettre que l'auditeur avec internauteur même, disons internauteur plutôt, et yo et machine. Ok, on a le dossier ancien ministre justice là. Et d'ailleurs, pour nous commenter vidéo ça, vous nous dites que ça nous passe des déclarations par le temps de là. Ancien ministre justice là, qui c'est Pierre Brinache, il fait connaître que l'assistance internationale là a aidé la justice indépendante et marché pour un bandit. Yo. On a des déclarations, on a tout. Pour une aide au niveau de sécurité publique, tout citoyen honnête supposé admettre Haïti pas qu'à faire face pour contre à chaque après-midi là, l'État l'écrasé. Non, mais nous besoin de solidarité internationale là pour aider nous et colmater les brèches. Donc, mais malheureusement, pas de consensus sur lui parce que encore une fois, politique la primée. Mm-hmm. Gouvernement n'a pas trop nécessité avant pour graduellement pour augmenter la capacité de la police là pour faire face. Et c'est leur senti que les menacés en tant que pouvoir en place que les fait de maintenant. Si. Et c'est ça qui fait que dans tout le monde qui rejette. Si je comprends bien. C'est pas nationalisme pur et dur, mais c'est pas opportunisme politique. Ok. Si je comprends bien, et un gouvernement défaillant et pas qu'à bénéficier de propre héros. Et si vous comprenez bien tout, à ce stade, et demande ça, et
li suscite animosité ça, bon, retire animosité à non, retire moi, li suscite irritabilité ça, c'est parce que quelque part, M. Henry et gouvernement là, t'as un irritant, M. Brunache? Non, mais définitivement, c'est M. Henry monté sous base d'un consensus qui était gagné entre opposition qui était et Jovenel Moïse et Jovenel Moïse. C'est pas un consensus que le payé, et c'est ça qui fait balayer une certaine légitimité. Et les pas légal, non, mais ça fait ballon. Action, pas de mais contre Moïse, je t'ai proposé lui. Moïse, je t'ai accepté. Donc, c'est ballon une certaine légitimité pour fonctionner. Quitte qui t'a participé ou pas, dans la manifestation contre Jovenel Moïse ou bien même dans l'assassinat de Jovenel Moïse, ça c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que l'été on produit dans le consensus. Maintenant, l'été a gagné des années, enfin, des mois pour que l'été baille rendement. Encore une fois, répéter, premier rôle d'un gouvernement, c'est baille population en sécurité. Première mission, avant toute l'autre mission, c'est baille sécurité. Et ça nous constaté après. Et plus 15 mois, c'est que Mission Sali échoué lamentablement. Et pendant la période que était sous pouvoir, il n'a pas fait rien, encore une fois, pour montrer que il était clair et que ça, c'était une priorité pour lui, pour ses bases et populations sécurité. Donc, c'est peut-être ça que, et demain, 6 octobre-là, tu parais des suspects dans le tout le monde, malgré que c'est, m'a répété encore, c'est une nécessité absolue pour essayer de sauver les meubles pour Haïti, non pas pour le gouvernement, mais pour Haïti. Mais Brunache, est-ce que la communauté internationale a fait évaluation ça ou fait là ou pas? Bon, moi pas en dans la communauté internationale là, mais et tout le monde qui a vu la situation en Haïti, il y a compte que bon, faction qui n'a pas pouvoir connaître, il a échoué lamentablement en ce qui a trait à la sécurité publique. Je ne vais pas parler de l'autre domaine, non. Mais pour sécurité, c'est échec total capital. Maintenant, c'est vrai, ça que, bien avant et résolution et 21 octobre, là, je t'ai demandé que toute faction, je te mette ensemble pour jouer un consensus pour diriger le pays. C'est parce que je t'ai attendu le consensus à ta gouverne et faction politique rivale. Et le ça est appuyé à l'aise eux-mêmes pour porter assistance et pour porter. Malheureusement, nous avons toujours mis un système jusqu'au boutiste. Ça a eu en anglais, on vit au some game. Eh bien, nous sommes dans la situation que nous y avons. On ne peut pas joindre et la situation a dégradé, l'a détérioré. Eh bien, l'urgence pour agir là, l'arrivée. Ok. Donc, c'est ça qui fait que j'ai avancé. Maintenant, dans la lettre. Monsieur Gutiérrez, voyez, Antonio Gutiérrez, secrétaire général des Nations Unies, voyez, bah, Conseil de sécurité, a, moi, ouais, vous prenez 100 pour souligner ça. Et dans la résolution qui signe dans l'OEA par 19 pays, déclaration commune de 19 pays sur Haïti, vous soulignez ça, et particulièrement dans la lettre, Monsieur Gutiérrez, là, que pour mission sécuritaire, ça, que l'État d'Haïti mandé a réussi pour le viable, même vous l'utilisez, la viabilité, là, dépend d'un consensus. Et national acteur pour qu'on qui gère pas avancé. Et quelque part, est-ce que vous faites assessment et analyse politique là et ou pas? Et comment partager ce segment ça? Non, en fait, c'est le béaba. C'est le béaba. C'est-à-dire que pour gagner une assistance internationale, il faut que acteurs politiques aient déjà accepté que assistance là. Parce que, encore une fois, assistance, c'est pas une force de dissuasion, mais il faut que acteurs locaux soient capables de prendre la relève pour permettre que l'assistance ait un effet qui durable. Et dans le contexte de lutte politique permanente que nous avons dans le pays, ça fait que, eh bien, c'est comme l'avait monsieur Atté. L'Abvin a pris ce problème ponctuel là. Il a qu'à débloquer la rue. Éventuellement, il y a qu'à débloquer Matissan, mais le problème n'a pas résoudre si
à l'interne, c'est toute faction politique qui a gommé entre eux et qui contribue à craser l'État pas entendu, eh bien, nous pas bien des résultats durables. Et on a conscience de ça, parce que c'est pas soit été seulement rien, bon, c'est des analyses que tout le monde qui connaît le domaine sécurité publique, sécurité humaine, connaît. Il faut que il y ait moins entre facteurs politiques pour que capable d'un résultat dans l'intervention internationale. Maintenant, que faire de ce gouvernement? Mais je pense que nous supposons rentrer dans le processus de négociation. Côté premier point de négociation, c'est démission du gouvernement. Je pense que ça est très important. Et maintenant, c'est une démission qui peut rentrer dans le cadre d'ordonné. On ne fait pas le gouvernement le 11 septembre. Donc, sous table-là, on a un accord le 11 septembre, on a un accord Montana, on a tout l'autre accord. En fait, qui représente chaque des factions qui revendiquent droit pour être capable de diriger l'État. Mais aucune faction n'a pas de légitimité. Aucune faction n'a pas de légalité. Aucune n'a pas de plus droit que l'autre. Donc, c'est de ça que nous faisons entendre. Maintenant, puisque après 15 mois, constat est là, le gouvernement n'a pas réussi à résoudre le problème de sécurité, il n'a pas réussi à résoudre le problème de manger, il n'a pas réussi à mener à l'école, les échoué sur toute la ligne. Donc, il est tout à fait normal et moral pour que l'État prenne conscience pour accepter d'aller. Mais pas aller et puis quitter le vide, aller dans un cadre de consensus. C'est-à-dire que la démission du Premier ministre qui continue à régler les affaires courantes en attendant la mise en place de notre gouvernement de consensus. Parce que de toute façon, on m'a répété encore, pas qu'il y a une qui a une légitimité populaire et pas qu'il y a une qui a une base légale. Donc, seul jeu pour être capable de diriger, il faut avoir un minimum de consensus. Maintenant, on va aller pour les hypothèses. Le Sindal est dans le cas de figure ça, d'un Premier ministre qui a compris que politiquement qu'il serait grillé. Et il remettrait sa démission à qui? Au Conseil des ministres, dans la composition actuelle, ou un Conseil des ministres replâterait avec des forces politiques issues d'un nouvel accord politique? Et aidez-moi les hypothèses. Non, et au Conseil des ministres, je le dis là. OK? Mais maintenant, sur une négociation que vous faites avec tout dossier sous table, en septembre, supposé la donne, et il supposé entrer dans un nouveau gouvernement, Montana a supposé la donne et toute l'autre faction politique a goumé yo, yo capable la donne, yo supposé la donne. Parce que m'a répété encore, c'est pas dans l'élection que n'allait, c'est pas la guerre que nous fait que nous gagnons une bataille là, donc nous gagnons l'intimité de bataille. Et m'a paraît naïf et j'ose espérer que pas gagnons la donne yo qui gagne le prix du sang. C'est-à-dire que qui est capable de réclamer le pouvoir parce que c'est eux qui sont le président. Donc, puisque il n'y a pas qu'un bagage qui justifie fonctionner sur ce pouvoir, donc il faut qu'il y ait un lieu. Il faut qu'il y ait un lieu pour partager ce que vous partagez. Maintenant, il y a une lecture qui voudrait, qui dit que renvoyer ce gouvernement aujourd'hui serait une prime aux gangs, aux contrebandiers qui ont manœuvré pour ouvrir l'aller. Et quelque part, s'il tombait, Jean, yo, tavle le tombé à là, ce serait ouvrir une boîte de Pandore avec des mouns qui disent, bon, mais les boucles là, lever, camper, fermer, X, Y, bouler, etc., pour le gouvernement tomber, nous rentrons dans un cycle de gouvernement éphémère. Moi, tendez, et hypothèse à tout. Ça le vaut pour vous, M. Bounache? Non. Et, ma brave, nous, lorsque, par exemple, le Sénat est deuxième étant président, qui est-ce qui t'a empêché que le président Sénat a fait serment, c'était Gagnon. Mais après, rappeler que dans la première tentative pour monter gaz là, qui est-ce qui t'a rendu monter gaz là possible, c'était un premier blocage Gagnon qui t'a fait que la population vient de rendre compte que plutôt gaz a monté au lieu que gaz a bloqué. Parce que Gagnon, encore une fois, c'est des entités qui font des alliances opportunes au fur et à mesure que la situation a évolué. Il y a des leurs avec pouvoir en place, il y a des leurs en face pouvoir en place. Parce qu'il y a toujours en perpétuelle négociation. Parce que eux-mêmes, ils ont représenté une force à part entière. Des forces divisées, mais ils ont représenté une force.
Donc, c'est pas parce que Gagnon a un problème qui justifie l'incompétence du gouvernement. Le gouvernement n'a pas manifesté aucun désir pendant 15 mois de PIA pour te combattre Gagnon. Et bon, moi, je vais parler de l'élection, mais au moins combattre Gagnon. J'aime Jolan, je n'ai pas beaucoup d'insisté, pile au moins pour le gouvernement te montrer que tu es clair. Déclarer l'état d'urgence, mettez moyens supplémentaires dans la police là, montrer que sécurité est une priorité, il va être seul. Donc, il y a un travail pour qui est, il y a un travail pour tête. Mais en même temps, notre ministre de l'Action, des fois c'est opposé. Nous sommes dans une situation qui est tellement grave, il faut que, encore une fois, avec toute faction politique, y compris faction qui n'a pas le pouvoir actuellement, je suppose que ça pourrait être la solution. Seul bagage qui, je pense, qui est quand même nécessaire et préalable, c'est la démission du Premier ministre. Maintenant, vous utilisez le mot ça que les doués ont ordonné dans ce qu'on là. Maintenant, ce sont des factions politiques qui se battent et pour la prise du pouvoir ou pour s'en approcher. Là, hier, il y a le leader de Petite Dessalines, M. Jean-Charles, qui présentait une commission, un conseil de transition. Et lui-même, il dit que Jean-Louis Ouais et pour prise de pouvoir là est faite. Là encore, nous sommes dans une logique de bataille pour le pouvoir. Mais pendant qu'il y a une bataille pour le pouvoir là, il y a une volonté qui s'éloigne de plus en plus, celle d'aller auprès du souverain pour voir des légitimités populaires. Ça. Et ou ben c'est ça qui a continué encore longtemps ou pas, M. Brunache? Non, mais ça va continuer. Si on va à l'école, si on va à manger, l'hôpital a fermé, et on va à le travail, la douane bloquée. Toute activité économique dans le pays a bloqué, chômage l'a fait de manière massive, pays a mouru. Nous avons une période d'hémorragie accélérée, il n'y a pas qu'à continuer. Il n'y a pas qu'à continuer comme ça. Donc, c'est ça que l'urgent, si les leaders politiques qui aspirent à diriger le pays a un minimum de patriotisme à la caillou, l'urgent veut mettre l'ego de côté. Pour au moins, entendre pour gagner une transition avant que vous créez les conditions pour des élections. Parce que tout autant que nous avons une élection, nous avons un pouvoir légitime, eh bien, c'est pas consensus pour le faire. Qu'est-ce qui pourrait garantir que des factions qui s'affrontaient pour le pouvoir ne vont pas continuer à s'affronter à l'intérieur du pouvoir et les n'ont pas avancé vers des périodes électorales? Mais c'est de ça que Fagou fait le haut minimum. Priorité A, c'est avec l'assistance internationale rétablir sécurité. C'est-à-dire on contrôle sur tout le territoire national. Ça, c'est la première priorité. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours des divergences entre eux. Mais si feuille de route l'a établi, mission principale de sécurité, établir une condition minimum pour que la population va créer l'occupation et créer des conditions pour que les institutions de contrôle capable de travailler pour éviter gabegie administrative et lutter contre la corruption. Allô? 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 Communication interrompue? Oui. Où t'as dit éviter gabegie administrative et corruption, c'est l'autre arrivé. Communication interrompue. Et renforcer tout pouvoir de contrôle, en commençant par coup des comptes qui supposaient qu'on prolongeait sous la mandali, renforcer UCREF, renforcer RCC, renforcer l'inspection générale des finances, qui pour permettre que nous passions étape ça, en plus de sécurité, hein, pour que nous allions vers des élections. Et une fois qu'on fait ça, eh bien, le peuple a lui-même l'arbitre, l'a choisi. Maintenant, et souvent, les politiques ici, nous, elles, qu'on a besoin utiliser appareil l'État, machine l'État pour gagner des dividendes des politiques lors d'élections. Et très souvent, ils ont pipé de eux. Et ils ont fait magouille, pour dire moi, dans bon Jean Créole. Est-ce que pas gagner ont l'autre option possible de dire à la société politique, monsieur, vous serez des compétiteurs de des élections et qui doivent être libres, et entre-temps, ou pas qu'à habite et qui prennent
ou pas qu'à jouer et pour habiter dans match ça et ou pour aller jouer sous terrain et la société civile et ta doué qui est à charge et ce gouvernement là pour créer conditions pour nous-mêmes dans la compétition et jouer le pouvoir et dans mes populations. Hypothèse ça est viable ou pas viable? Et en fait, c'est l'option ça qui était choisie pour transition 2004-2006 là. Mais même expérience que je fais, je me rends compte que en plus fois il y a acteurs société civile qui gagnent des mêmes politiques derrière. Donc ça me préfère transparence. OK. Je préfère transparence là. C'est-à-dire que quand sur table nous connaît qui est qui dans le ministère de l'Intérieur, dans le ministère de la Justice, dans le ministère de la Finance, est-ce que c'est aussi civil, est-ce que c'est une boîte politique, nous ouais tout le monde à clair. C'est peut-être ça que ça qui est important en plus de et gouvernement de consensus, là, c'est les institutions de contrôle, les contrôles administratifs et gagner l'opinion publique, là, la presse, etc. etc. C'est renforcer eux qui permettent d'éviter Gabija, éviter que nous en profitions de situations dans l'État et bien pour l'enrichir ou bien pour financer la campagne électorale. Okay. Mais en quittant acteurs politiques, jouer rôle politique, et société civile là pour jouer un rôle de vigile pour contrôler l'État. Parce que gagner un mélange de gens, là, société civile, c'est société civile. Acteur politique, c'est acteur politique. Hmm. Maintenant, on nous prend l'autre thématique là, c'est régime de sanctions qui voté à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Ou forcément, attendez, il y a qui dit ah, et son coup d'épée dans l'eau. Et moi, je dis non, c'est un petit pas. Maintenant, là encore, il ne suffit pas de décréter. Il faut se donner les moyens pour que sanctions soient appliquées. Et l'avocat que vous êtes, l'homme politique, en fait, l'avocat et l'homme politique, qui analyse de sanctions et d'efficacité? Si tant on peut parler d'efficacité au moment où nous parlons. Bon, et c'est vrai que le public là, y compris nous-mêmes, nous appartenons à une liste qui est longue. De monde qui a sanctionné, que ce soit les monde qui n'a groupe armé, homme d'affaires, homme politique, même diaspora, etc. C'est pas le cas parce que texte à eux, c'est des textes qui adoptés après un pile négociation. Et depuis qu'il y a une négociation, il y a un pile, option pour obliger le CPMB pour capable qu'il y ait un vote unanime. Mais ce qui est certain, c'est que mon principe qui est établi. Et c'est pas une liste fermée, c'est une liste ouverte. Un principe qui est établi, c'est dit que tout le monde qui a une activité gang en Haïti, tout le monde qui a assuré que gagne une jeune âme à munition, tout le monde qui a toléré gagne, eh bien, il a tombé sous sanction. Et pas sanction seulement dans les États-Unis, mais c'est sanction internationale. Côté Mounzaha, qui n'a logistique, qui n'a qu'un des âmes, qui n'a pas des âmes, qui n'a toléré, eh bien, les gagnants épée de Damoclès sur cette liste. Donc, le principal effet que ça a gagné sur le terrain, son effet dissuasif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont joui de profiter de l'impunité à vous faire ça, combien à réfléchir à deux fois. Maintenant, il convient aux autorités haïtiennes, surtout la justice et la police, pour profiter de la situation, ça, pour capable d'aller les gens à eux. Grain par grain, parce que comme il y a là, il y a gagné soutien des Nations Unies, il y a gagné soutien et communauté internationale là, et bien qui baille, qui a supposé baille plus courage pour y agir. Parce qu'on peut faire information connue en Haïti, mais acteurs policiers et acteurs judiciaires, et système judiciaire là, pas gagné assez courage pour y agir. Et maintenant, sachant que y a gagné communauté internationale là derrière, il est capable baille plus courage pour y agir. Le fait que vous ciblez directement M. Chérissé, ça, donc qui ça? Non, et Chérissé, c'est le symbole. C'est le symbole. Il faut que mon épouvantail pour mettre devant l'ambassadeur étranger pour être capable et mon intérêt pour agir. Et puisque Chérissé fait des déclarations et déclarations, il fait des actions. Donc, le visible. Donc, le fait que le visible là, mais c'est juste le symbole. Mais à côté de Chérisier, dont Chérisier, dans un paquet d'autres monde, et que qui identifie et qui pourrait identifier. Et Mounsayo. Après la période coup d'État, symbole qui a été monté, invasion d'Haïti pour rétablir. C'était frappe.
Mansour son jeune période de symbole, c'était le groupe armé Gonaïve, ensuite le groupe armé Philippe. Il faut que il y ait un symbole qui vous permette comme le DA et réagir. Ah, merci, oui, Maître Bounache, pour tout le temps, ça va accorder nous. Et là, le message là, c'est aux acteurs politiques. Mais maintenant, encore une fois, on a l'impression que tout le monde croit avoir du temps, alors que le temps.